sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. La plupart sont dans la misère ces temps-ci. Pourquoi? Je tiens une piste menant à Germain. Il a chargé une certaine Marie d'acheter des cargaisons de grains et de les acheminer jusqu'à un quai privé. Marie Lévesque? Tu la connais? Les Lévesques font partie des Templiers depuis la Troisième Croisade. Marie a été la seule à s'opposer à l'exil de Germain. Je ne suis pas surprise qu'elle soit de mèche avec lui. Est-ce que tu sais où on peut la trouver? Non, je n'en sais rien. Mais le peu de grains qui parvient à Paris ces jours-ci est déchargé sur les quais de l'hôtel de ville. C'est parfait. Je commencerai par là. Et moi, je vais trouver l'endroit où se cache Madame Lévesque. Maintenant, je poursuis les bateaux. Attachez-moi ces amarres! Capitaine! Tout s'est bien passé? Oui, madame. Vous avez vos ordres? Ici, madame. Bien. On m'a chargé de vous rappeler qu'il fallait percer l'un de ces sacs. Bien, madame. Au travail! C'était quoi ça? Qu'était-ce? Plus.
Je suis là. Tu ne réussiras pas à perdre. Tu ne m'échapperas plus. Tirez sur lui! Crois pouvoir me perdre? Ah! Je vais t'attraper et je vais te saigner! Je n'abandonne pas, je sais que je vais t'avoir! Personne ne m'échappe.
Le palais du Luxembourg. Qu'est-ce que vous allez y faire? Fébrilité. J'étais à ta taverne hier soir. Revenez plus tard si vous voulez parler, je vous attends pied ferme. Pour la révolution. C'est incroyable. Intolérable. C'est incroyable. Intolérable. Thank you.
le bienvenu ici, monsieur. J'avais raison. Des hommes de Marie l'évêque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grain en temps de famine... Ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse, Madame l'évêque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on ne le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Au secours! À l'aide! À moi! Donne-nous la poudre! Qu'est-ce que nous allons faire, Michel? Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassée, ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. Va-t'en et oublie ça. Espèce de faux sans cervelle! Merci, monsieur. Tout va bien? Je m'en voudrais beaucoup d'abandonner un artiste dans le besoin. Nous y sommes presque. Merci, mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile.
La diversion suffira largement. Rien. Qu'allons-nous devenir, Michel? On va t'envoyer au carré pour une simple niche de pain. Ils appellent la justice. Thank you.
ça. Fais-le lentement. Attends. Donnez la clé. Pour attendre celui-là. Je suis toujours là! Arrêtez-le!
quoi, ça? Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. François Thomas Germain, tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, vous ne voulez me pas. Je connais ses pensées, de la serre. De la serre. Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Il complotait contre la Révolution d'une main, tout en jurant soutenir la Constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur le Pelletier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Je vais pas me laisser insulter.
Mais... Pas le temps de t'expliquer! Cours! Aurons-nous droit ce soir à une promenade aérienne, professeur? Non, non, non. Je crains que non. Ces vieux aérostats sont à la merci des vents. Et il souffle trop fort pour naviguer sans danger. Revenons à cet exemplaire-ci. Hé, mais que faites-vous donc? Descendez de là tout de suite! Coupe les cordes! Je te couvre! Mon Dieu! Fais vite! Prends garde! C'est bien! Attends-moi! Où veux-tu que j'aille? C'est vraiment très joli vu d'ici! Si tu voyais cette vue! À qui le dis-tu? Le vent forci! Tu ferais bien de te dépêcher! Merci du conseil! As-tu au moins réfléchi? Les problèmes ont tendance à se résoudre demain. Il est là. Là-haut. Tu vas bientôt manquer de toi. J'espère que tu sais ce que tu fais. J'ai bien l'intention de rire en te voyant t'écraser dans le fleuve. Laissez, cours. On est en train de les perdre. Dépêchez-vous. Vite. Essayez de faire les chemins. On est en train de... Je m'occupe d'eux. Contente-toi de courir. Arrêtez-les.
rigolo. C'est singulier. Grotesque. C'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la corde s'est accrochée. Vous, halte. Tiens bon. Descendez tout de suite. Tout va bien! Ne bougez plus! Arrêtez! Je crois que c'est moi qu'ils sont en train de viser! Arrêtez-vous! Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Restez ici! C'est une longue histoire! La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire? Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal? Tu crois que c'est possible? Et toi? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu. Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, tu as triché. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Élise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le.
avancez, monsieur. Hé hey. Initié, tu me reçois ? Désolé pour tous ces parasites. Je n'avais jamais vu autant de distorsions. Ça ne me dit rien qui vaille. Que dirais-tu d'un nouveau boost avant que je perde la connexion ? Je t'envoie les données. Ok, accroche-toi, tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. Si je t'attrape, je t'arrache, c'est mon devoir. C'est de la folie !